Écoutez, je ne sais rien de plus au sujet de cette fille. Alors rendez-moi mon passeport, je dois partir dans le prochain avion pour Londres. Ah, te voilà. Ah bah j'ai juste... Chut. Vous êtes Pecco Rayne et vous partagez la chambre de Juliette Blake. Je regrette, mademoiselle, je vais vous demander de l'identifier. Votre passeport, je vous prie. Il a pris le mien tout à l'heure. Sinclair. Lord Sinclair. Très honoré. Donc, connaissiez-vous la noyée? Non, bien sûr que non. Elle est pourtant de votre nationalité. Nous sommes 50 millions environ. Bon, alors, que voulez-vous de moi? Mes relations avec son pays se limitent à certains whisky et au bacon, vous savez, c'est tout. Ces questions sont nécessaires, elles font partie de mon travail. Je crois que votre travail consisterait plutôt à découvrir comment elle est morte. Mais on sait comment elle est morte, elle s'est noyée. Que voulez-vous d'autre? Oui, c'est très simple, nous aurions dû le deviner tout seul. Nous avons ce postiche, une montre bon marché, avec un vieux sac de plage ramassé à côté de la pancarte déconseillant la baignade à cet endroit du rivage, et bien sûr le cadavre, mort par noyade. Voici assemblés les faits. Sa montre n'était pas étanche, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle allée se baigner avec? Oui, essayez donc de répondre à cette question logiquement. Peut-être était-elle distraite. Distraite. Vous avez déjà rencontré une femme assez distraite pour oublier un postiche, inspecteur? Moi, je n'en ai jamais vu. Messieurs, nous avons beaucoup à faire actuellement et je suis très occupé. Si vous êtes intrigué par cette affaire, laissez-moi vous assurer que ce genre d'accident est très fréquent. Un accident? On repêche la dépouille d'une malheureuse au fond de notre magnifique baie, ce qui arrive hélas beaucoup trop souvent. Elle n'a souffert d'aucune violence, ni plaie, ni fracture. Certainement l'effet d'un mauvais courant contraire. Vous permettez, inspecteur, je commence à me demander s'il existe un autre courant contraire qui empêcherait votre bien-aimée police d'examiner les faits. Je fais pour le mieux, étant donné les circonstances. Oui, et quelles sont ces circonstances? Eh bien, messieurs, vous devez comprendre que nos services manquent des effectifs nécessaires durant cette saison. Oui, nous comprenons. Alors, cette fille qu'on a repêchée au fond des eaux ne représente à vos yeux que de la chair putride, et vous avez l'audace d'appeler ça un accident. Écoutez-moi, si c'était une Maharani ou un Maharaja ou une personnalité, votre police entière fouillerait partout pour découvrir des preuves ou des suspects. Alors, vous... Alors, vous avez identifié le cadavre? Oui, c'est Julie. Merci, vous pouvez vous en aller. Alors, qu'attendez-vous? Et nos passeports? En temps voulu. Et peut-on savoir quand arrivera ce temps voulu? Quand l'enquête sera terminée. Quand ça? Oh, dans un jour, deux jours, une semaine. Oui, en langage policier, ça veut dire quand il le voudra. Et une enquête exige du temps, voyons. Mais vous allez enquêter sur la mort de Julie? Non, n'en croyez rien. Il va classer le dossier de votre ami et l'enfouir bien au fond de son bureau sans l'ouvrir. Mais il n'en a pas le droit. Il faut savoir comment elle s'est noyée. Elle a voulu aller se baigner. Elle est morte noyée, peut-être par accident ou peut-être s'est-elle suicidée. Julie n'aurait jamais fait ça, jamais. Mais qu'est-ce qu'elle... Il s'en désintéresse. En fait, personne ne s'y intéresse. Pour lui, elle n'a pas existé. Jamais. Bon, alors, gardez mon passeport. Et si vous ne trouvez pas la photo à votre goût, je vous garantis que vous me reverrez un de ces jours. Eh bien, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense. Je pense qu'il est très déprimant de se montrer stupide. Vous avez réussi parfaitement. Je parie que votre air borné va les décider à entrer en action. Je vous suis très reconnaissant, monsieur Fulton. Oh, c'est naturel. Je pense à l'aide que vous m'avez procurée par le passé. Alors, ils sont bien, hein? Ils paraissent très débrouillards. Vous semblez embarrassé. Pourquoi cette mascarade? Enfin, vous êtes amis avec eux? Oui, bien entendu. Bon, alors pourquoi ne pas leur demander de m'aider? Parce que je connais leur réaction. Il suffirait qu'on leur demande de défendre une cause juste et ils préféreraient partir en courant en laissant leur fortune derrière eux. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont se mêler de ça? L'injustice. Le sens de l'injustice, mon cher Blanchard. Et ils aiment bien berner la police. Et ce sont des joueurs invétérés. Ils sont curieux de connaître leur chance. Ou simplement voudront-ils vous ennuyer? Qui sait? Je ne comprends pas. Julie était une jeune fille qui adorait la vie. Non, c'est pas possible.
Vous croyez que c'est un accident, sa noyade? Julie, jamais. Elle nageait déjà comme une championne, bien avant d'opter pour la danse. Vous êtes danseuse, vous aussi? Oui. Vous travaillez avec Julie? Oui, ici dans un cabaret qui s'appelle Le Rêve. Si vous voulez tout savoir, apprenez que nous faisons partie d'une troupe de danseuses. Et comment était Julie? Elle était très gentille, pleine de vie. Des petits amis? Julie savait les choisir. Il devait être riche pour la sortir. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Ah, ben ça, il se vexe. Je ne voudrais pas salir son image. Elle ne faisait rien de vraiment mal. Voyez-vous, Julie Blake, c'était autre chose qu'un nom, deux mots collés ensemble et rien d'autre. Pour moi, un être humain est différent d'un insecte qu'on écrase, qu'on balaye de son poignet. C'est plus que ça. Je pense qu'il faut que quelqu'un se lève et dise « Julie Blake était là ». Non, personne n'avait le droit de disposer d'elle de cette manière. Je me sens tellement désarmée. Je ne veux pas que Julie finisse enterrée de cette façon, classée par la police au fond d'un vieux dossier poussiéreux. Qu'est-ce que je dois faire? Daniel, est-ce que tu aimerais que l'inspecteur Blanchard se souvienne toujours de Julie et de nous? Tu veux te dérouiller un peu, c'est ça? Oui, histoire de voir la grimace que fera l'inspecteur Blanchard. Joliment dit. Mais pourquoi est-ce à vous de vous en occuper? Parce qu'à vrai dire, nous aimerions rabattre un peu le caquet de cet inspecteur. Ça nous fait toujours une motivation. Je vais vous reconduire. Non, j'ai une répétition. Notre directeur nous a toutes convoquées pour répéter. Ben alors écoutez, pourquoi ne pas rester un peu avec Sa Majesté le Prince, que voici, pendant que j'irai m'entretenir avec... Comment est-ce qu'il s'appelle? Queen Travis. Ah, Queen Travis, d'accord. Eh bien, à tout à l'heure. Bonne journée, hein? À tout à l'heure, hein? Prends ton temps. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Levez la jambe! Bien! Et on avance! Et on saute! En bas, en haut, en bas! Plus rythmé, marquez les mouvements. Ah. Oh. Levez la jambe, voilà. Et, oui, en attendant, oui, une seconde, je viens. Oui. Plus marqué, et attention, on s'arrête. Voilà, c'est mieux. Excellent, excellent, merveilleux. L'auteur, magnifique. Terrible, elle dort à moitié. Oh, toi, tu ne sais que parler. Oh, eh ben, elle est charmante. Oui, écoutez, monsieur parleur. Oh, pardon, monsieur, comment... Travis, Queen Travis. Oui, c'est bien ça. Oui, enchanté. Vous qui êtes vous? Je viens vous annoncer que Pecco ne viendra pas travailler. Hein? Oh, pauvre fille, eh ben, oh, bah, oui, c'est vraiment terrible pour elle. Bah, oui, je pense qu'elle vous a dit, bonjour, oui, Juliette. Vous parlez de la noyée, bien sûr. Bah oui, c'est bah, oui. Ah, qui êtes-vous, au fait? Je suis inspecteur de la section internationale de lutte anticriminelle. Je suis venu ici pour vous interroger. Je dois vous interroger. À quel propos? Ah, bon, de Julie Blake, c'est pour elle que je suis venu. Ah, c'est une vraie danseuse, une très belle fille qui avait... quelle section? La section anticriminelle. C'est nouveau. Je viens seulement vous poser quelques questions. Avez-vous noté quelque chose d'inhabituel dans sa manière d'être? Un détail qui vous a semblé un peu inhabituel? Alors, eh bien, si une absence de plus de 24 heures paraît inhabituelle, oui. Oui, je vois. Oui. Ça, elle devait avoir probablement trouvé un riche petit ami. Probablement. Inspecteur quoi? Eh bien, inspecteur, j'ai ma carte quelque part dans mon portefeuille. Attendez. Oh, mais peut-être bien qu'on pourrait aller en ville. Non, hein, je veux seulement savoir ce que vous voulez. Et moi, je veux seulement savoir ce que vous savez. C'est tout ce que je veux, juste des faits. Bon, maintenant, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil. Où sont les loges de ces dames? Non, mais allez-y, je ne suis pas dans mon cabaret. Merci. Inspecteur... Tête en tôle, voilà, c'est... pourquoi pas. Hein. Bon, allons-y, les enfants. Allez, on prend tout. Vous êtes prêtes? Attention. 1, 2, 3, allez, oui, allez, on démarre. Et 1, 2, 3. Voilà. Tout à coup, la vie heureuse et exaltante de notre petit groupe est devenue triste et pleine de drames. Vous semblez savoir prendre soin de vous-même. Oui, sauf Julie.
Je n'ai pas réussi à l'attraper. Non. Qui était-ce? Je ne l'ai jamais vu. Que venait-il faire? Une photo du livre n'est plus à sa place. Qu'est-ce que c'est? Julie avait ses manies. Sa principale était de collectionner les photos de ses petits amis. Savez-vous quelle est la photo qui manque? Non, aucune idée. Voyait-elle des gens à part les danseuses? Elle avait très peu d'amis, mais récemment, elle était très intéressée par l'un d'eux. Un vieil ami qu'elle a revu, ou plutôt un nouvel ami? Je n'en sais rien. Je pense qu'elle l'a revu parce qu'elle n'a pas travaillé hier soir et elle n'est pas rentrée de la nuit. Bien. Et vous avez une idée d'où elle est partie? Non, aucune. Elle a loué une voiture, si ça peut vous aider. Je ne sais pas. Il faut essayer de trouver où elle a loué cette voiture. Votre ami ne devait pas nous rejoindre ici? Oh, mais les amis ont toujours l'habitude de vous lâcher quand il vous serait utile. Tout de même, ça me semble impossible de penser qu'on l'ait tué sans raison. Il doit bien exister quelqu'un qui, lui, avait une excellente raison. Alors vous croyez que ce n'est pas un accident? Un meurtre n'en est pas un. Blake, Julie Blake. C'est ça. Savez-vous qui s'est occupé d'elle? Oui, monsieur. Je l'ai vue moi-même. Et quand ça? Vous êtes de bons amis à elle. Oui. Oh oui, de vieux amis. Ah, elle devra venir récupérer le reste de la caution qu'elle a payée. Comment ça? Oui, bien sûr. Nous avons été obligés de déduire quelques dépenses. Elle avait crevé à l'arrière et la roue avait été complètement voilée. Ça, c'est tout à fait Julie. Ah, nous avons dû envoyer quelqu'un pour réparer la roue et ramener la voiture ici. Où était-elle? Tenez. D'accord. Merci. Vous êtes fatigué? Non. On continue? Oui. Attendez ici. Pardon, monsieur. Bonjour. Je cherche des renseignements concernant une jeune femme qui s'est arrêtée ici. Oh, à mon âge, je peux vous donner tous les renseignements sur les jeunes femmes. Non, non. Non, non, pas elle. C'est le diable qui a pris la forme de cette femme. Si cette jeune femme-là qui est avec vous a une ressemblance quelconque avec la jeune fille qui est venue m'embêter ici, je... Julie est bienvenue ici. Il l'a vue prendre une route un peu plus haut. Il s'en souvenait bien? Oui, oh, il m'a dit qu'il s'en souviendrait toujours. En reculant, elle a embouti sa pompe. Il n'y a personne? Tarzan a dû sortir. Et Jeanne est partie se promener aussi.
oiseaux sont tous empaillés. Pendant un horrible moment, j'ai cru être sourd, voyez-vous. Vous avez une collection splendide. Monsieur Köstler a la réputation d'être un grand ornithologue. Chacun ses goûts. Moi, ce serait plutôt... Nous espérions être attendus en venant ici à une heure pareille. Monsieur Köstler est en conférence en ce moment et il ne reçoit pas. Nous patienterons. Veuillez nous annoncer. Oh, oui, tout de suite. Lord Sinclair. Mathieu Crane, je suis le secrétaire de Monsieur Köstler. Si vous et la jeune dame voulez vous installer confortable... Ah, on m'appelle. Pardonnez-moi, je vais vous laisser. Le salon est juste derrière cette cache. Ce nom vous est familier? Non. J'ai admiré la façon dont vous avez trouvé le nom de Köstler. Vous êtes presque astucieux. C'est un talent que j'ai acquis. Et ce titre de Lord, Brett? C'est un talent que j'ai hérité. Ici, Crane. Les deux qui viennent d'arriver. Tu en es sûr? D'accord, mais cache-toi bien jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Lanning Köstler. Vous le connaissez? Mm-hmm. Eh oui, ce n'est pas du tout surprenant, en dépit du fait qu'il soit une des grandes vedettes de la vie financière. C'est un de ces hommes dont les affaires sont publiques, mais dont la vie est très privée. Trop privée, j'en ai bien peur. Bienvenue dans notre monastère. Merci. Je suis navrée de m'introduire ainsi. La porte était ouverte et... Ne dites pas de sottises. C'est merveilleux d'avoir des visiteurs. Vous avez une jolie maison, Madame Köstler. Lisa. Et vous? Oh, Pecorin. Et voici Lord... Sinclair. Brett Sinclair. Très heureux, madame. Lord Sinclair. Ah oui? Je suis navré, Lord Sinclair. Monsieur Köstler est très occupé, il est désolé. Oh, je n'en aurai que pour un moment et nous sommes venus tout exprès. C'est hors de question, j'en ai peur. Oh, allons, il pourrait perdre 2 minutes. Mais il est en conférence, il a donné l'ordre de ne pas l'interrompre. Allez-y, Mathieu. Dites à Lanning que je le demande immédiatement. Écoutez, voilà ce que je vous offre. Un tiers tout de suite et les deux autres tiers payables dans quelques mois. Que faites-vous de mon offre? L'achat comptant de ces deux filiales. Je ne vous demande qu'une acceptation de principe. Écoutez, si ça ne vous fait rien, je tiens à l'avoir écrit noir sur blanc pour le montrer à ses clients du Texas. Du Texas? Vous rappelez-vous cette affaire que nous avons conclue à Houston? Non, c'était à Dallas. Il y a juste 6 ans et 9 mois. À Houston? Vous semblez oublier que j'ai une bonne mémoire. Monsieur Köstler, je suis désolé de vous interrompre. Je croyais avoir interdit toute interruption. Vous avez des visiteurs. Des visiteurs? Votre femme demande que vous veniez quelques minutes. Je pense qu'il ne vous faudra pas longtemps. Venez, Daniel. Une pause vous fera du bien. Oh oui. Quand repartez-vous pour Londres? Je n'en sais rien. Un jour je suis ici, un jour là, vous connaissez ça. Quand Lanning nous avait parlé de cette retraite, je n'avais aucune idée de l'isolement total de cette maison. Merci. Merci. Asseyez-vous. Oh, vous saurez vous arranger, j'en suis sûr. Eh bien, je suis votre homme. Oh, c'est alors que... Qu'alliez-vous dire? Comment avez-vous trouvé une maison comme celle-ci? Je voudrais plutôt savoir comment vous avez trouvé cette maison. Allons, Lanning, c'est inutile de passer pour un ogre prêt à dévorer ses visiteurs. Je vous présente Mademoiselle Pecco. Enchantée. Je suis Danny Wilde. Je vous trouve ravissante. Toi, c'est autre chose. Arrête ton cinéma, tu charges. Qu'est-ce que vous disiez? J'ai pas entendu. Je disais que je n'ai pas retenu votre nom. Oh, vous tenez merci, votre mon nom est Danny Wilde. Quel est le vôtre? Sinclair, Brett oh, Sinclair. Je suis enchanté. Lord Sinclair. Oh, Lord Sinclair, mais alors c'est un grand homme. Mais comment doit-on se conduire devant un grand homme? On s'incline? Oh non, ce ne serait pas en rapport avec le reste de votre comportement. Danny, il a marqué un bon point. Ah, tu es en joyeuse compagnie, on dirait. Je vous quitte une minute. Eh bien alors, Sinclair, si nous abordions le but de votre visite. Eh bien, je préférerais avoir quelques mots avec vous seul à seul. C'est une affaire privée. Oh, excusez-moi, mais ils veulent rester seuls. Comment savez-vous que c'est un lord? Vous avez vu ses papiers ou son pédigré? Est-ce que vous savez d'où il vient? Très bien. De quoi voulez-vous me parler? De Julie Blake. Ah oui? C'est donc ça. Elle vous a envoyé. Si vous m'expliquiez un peu, j'aimerais bien savoir. Je suis en plein travail et vous êtes venu à l'improviste. Alors venez-en au fait. Très bien, très bien. J'y viens tout de suite, Monsieur Köstler. Lisa,
Lisa, s'il faut que l'on parle de Julie, parlons-en devant ma femme. Qu'y a-t-il, Lanning? Lord Sinclair est venu ici pour nous parler de Julie Blake. Alors, vous la connaissez tous les deux? Ma femme sait que j'ai eu des rapports avec Julie il y a environ 2 ans. Alors, pardonnez-moi, mais que faisait-elle ici 2 ans après ces événements? Vous devriez bien comprendre. Elle voulait me faire chanter, bien sûr. Mais voyez-vous, ma femme est au courant. Il n'y a aucun but à votre visite. Si, elle a un but. Julie Blake est morte. Je suis en train de discuter affaire avec Kössler. Il voudrait essayer de vendre. C'est lui. Quoi, qui? C'est lui. Mais qui ça, lui? Enfin, dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est entré dans ma chambre ce matin. Il avait même cette voiture-là. Vous êtes absolument sûr? Absolument. Oh, nous sommes en plein mystère. C'est bien triste. Je suis navré. Comment est-ce arrivé? Elle s'est noyée. C'est terrible. Vous n'êtes pas venu pour ça? Pour nous parler d'elle? Non, mais nous ne connaissons pas les circonstances et nous espérions pouvoir, grâce à vous, retracer ses mouvements au cours de ces dernières heures. J'ai bien peur que nous ne puissions vous aider. La dernière fois que nous l'avons vue, elle était en vie. Mais après sa visite, je... Il n'y a rien d'autre? Non, pas pour l'instant. Alors, je ne vous retiens pas. Bonjour, c'est encore nous. Vous avez terminé cette conversation personnelle? Oui, merci, mon jeune ami. Ah. Péco, nous pouvons nous en aller. Madame Kössler, monsieur Kössler. Au revoir. À bientôt. Excusez-moi un moment. Attends-moi une minute, Brett. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je vais parler. Tu es complètement fou d'être venu ici. Comment es-tu entré? Bon, écoute, Péco te dira tout. À bientôt. J'ai été très heureux de vous rencontrer. Je reçois tous les vendredis. Merci. Appelez-moi à ce numéro à Londres. Quel numéro? Je viens de vous le donner. Appelez-moi. N'oubliez pas. Au revoir. Oh, Crahen. Pour cette communication au Texas, il y aura 5 ou 6 heures d'attente. Ah bon, c'est aussi long. Eh bien, quelle suggestion avez-vous à faire? Pourquoi ne restez-vous pas cette nuit? Vous trouverez tout le nécessaire. La chambre d'amis est prête. Vous savez où elle est? Magnifique. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À bientôt. Et prévenez-moi dès qu'on appellera. Merci. Je suis bouleversé. Cette pauvre gosse. C'était presque une enfant. Je ne crois pas que tu exagères un peu, mon chéri. Elle était venue ici, dans cette pièce, avant-hier. Une fille ravissante. Tu oublies qu'elle nous avait menacés. Nous aurions dû la payer. Et elle serait en vie. Il y avait beaucoup trop de risques. Alors, vous l'avez tuée. Oui, c'est terrible, Lanning. Mais comprends donc quel danger elle représentait. Tu sais que tout l'empire de Kössler s'écroulerait au moindre scandale? Vous l'avez tuée. Et ça ne vous tracasse même pas. Mais quelle espèce de monstre êtes-vous? Montrez-lui, Mathieu. Houston, hein? Vous l'aviez rencontré à Houston. C'était à Dallas. Faites encore la moindre petite erreur de ce genre, mon vieux, et vous finirez au fond de la baie comme cette Julie Blake. C'est le moment d'y aller. Si jamais nous n'étions pas de retour dans 1 heure, appelez l'inspecteur Blanchard. Et surtout, restez ici. Entendu? D'accord.
Toujours en retard. Toujours en retard. J'étais juste à l'heure. Toujours en retard. Il n'y a rien à faire. Tu n'avais qu'à ouvrir la porte comme tu es en retard. J'avais dit à Pecco que tu devais rentrer par la porte de côté, la petite porte, et en aucun cas par la porte. Je suis toujours passé par les grandes portes. Je ne vais pas changer aujourd'hui. Mais tu as trouvé des renseignements sur Köstler? Oui, il y a un bureau là où il garde ses secrets. J'ai découvert autre chose. Quoi donc? Il adore les petits oiseaux. Attends, j'ai un cousin qui, à l'anniversaire de sa mère, lui avait offert un perroquet savant qui pouvait parler indifféremment 5 langues étrangères. Voilà qu'au bout de 2 jours, il téléphone très inquiet à sa mère et lui demande « Alors, comment as-tu trouvé mon cadeau ?» Et elle lui dit alors « Délicieux. » Ah non, non, attends, petite minute. « Délicieux, lui dit-il, maman, cet oiseau était un authentique perroquet d'une race introuvable et qui savait parler 5 langues différentes. » Elle lui dit alors... « Alors, il n'avait qu'à me le dire. Dépêchons-nous. » Ah bon, oui, tu la connaissais. Mais attends, attends, parce que... Elle est... Fermée à clé. Comment allons-nous entrer? Eh bien, avec ingéniosité, débrouillardise et logique, j'ai... Tu as volé la clé? Tout juste. On dirait un de ces jouets dans le genre, construisez vous-même votre empire. Je préfère des Rembrandts sur les murs d'une pièce. Excuse-moi, mais j'aimerais savoir ce qu'on est venu chercher, s'il te plaît. Daniel, tu es doué pour la haute finance, à ce qu'on m'a raconté. Oui, c'est vrai, j'aime ce mot. Tu aimes les graphiques aussi. C'est vrai. Alors tu vas jeter un œil là-dessus. D'accord. Alors, voyons voir ce qui se passe. Oh! Dis donc, regarde. Regarde quoi? Les actions que je viens d'acheter ont augmenté. J'aurais été très heureux si j'en avais possédé moi-même. Pourquoi celles que tu me fais acheter ont-elles l'habitude de baisser? Oui, bah, t'as qu'à changer de courtier. C'est le fichier de la plupart de ses clients. Très complet. Photographie, date et des noms de villes, sans doute le lieu des rencontres. Et il y a même le temps qu'il faisait. Voyons au W si tu y figures. Wilbert Daniel Whitley. Wild Daniel, 64. C'est tout de même pas ton âge. Non, non. La ville, Dallas. Dallas? Il faisait très beau. Attends, 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 une minute. Grand attends, expert, je te dis. Voyage non, souvent, aime les voitures de Dallas. Eh ben, j'avais raison, j'avais raison. C'était pas Houston, c'était Dallas, et j'avais raison. Y a-t-il quelque chance que tu daignes éclaircir oui, ton écoute, monologue? Oui, écoute, Köstler passe pour avoir une fabuleuse mémoire, exact. Ah, vraiment, mais, je ne savais mais, pas. Non, mais oui, mais c'est vrai. Donc, quand on connaît sa fabuleuse mémoire, pourquoi n'a-t-il pas pu faire la différence entre Dallas et Houston? Tu vas me le dire. Eh bien, écoute, j'ai pris la peine d'additionner 2 et 2. Et tu trouves combien? Oui, alors, tu vas fouiller dans la pièce encore un instant, hein, et je vais mieux examiner leur bouquin. Et je crois qu'on va trouver des choses très intéressantes. Oh, la photo n'est pas bonne. Moi, je trouve qu'elle te flatte plutôt. Il a de bonnes bouteilles. C'est incroyable. J'ai encore jamais rencontré de livres tenus de cette façon depuis ceux de cet oncle qui travaillait dans la contrebande d'alcool. Fantastique. 34? Oh, j'ignorais qu'il restait des bouteilles de cette année. Voyons où les verres sont cachés. C'est curieux. Ils laissent les livres sur le bureau, mais ils enferment leurs verres. Ils transfèrent toutes les actions que leur plus importante compagnie détenait à une autre. Les opérations ont commencé il y a 1 an, et dans le plus grand secret. Tout ce qui était au nom de Köstler sera bientôt liquidé et au profit d'une compagnie sans importance. Et ensuite, ils reformeront une toute nouvelle compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi? Eh bien, c'est le genre de plan que j'appliquerais moi-même si je devais un jour me retirer. Ou mourir. Köstler? Approche et regarde ça. Ah, oh, bah qu'est-ce que c'est?
Ça semble être un film tout à fait ordinaire. Oui. Il montre Lanning Kessler. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est Kessler, oui. Regarde ses cassettes. Mains, regards, gestes, diction, démarche. Tu sais ce que ça représente? Non, explique. Mon cher Daniel, ça représente la recette que l'on doit utiliser pour être Lanning Kessler. Ah oui. Alors il m'a bien eu. Oui, mais il n'a pas roulé quelqu'un de plus proche. Julie Bleck. C'est exact, elle avait découvert que l'autre n'était pas le vrai Lanning Kessler. Alors ils lui ont donné une leçon de plongée. Eh bien, je déteste m'en aller en plein milieu du film, mais... C'est plus prudent. Je suis impatient de dire à cet inspecteur Blanchard ce que nous avons trouvé. Oui, son sourire suffisant va se transformer en grimace. Oui. Ah, enfin. Oh, c'est sûrement pour moi, tu sais. L'abnégation est une grande vertu. J'en ai remarqué. Il y a quelqu'un en bas? Il n'y a que nous, les volatiles. Ah, mais vous êtes là, monsieur Wilde. Oui, c'est moi. Mais je vous croyais dans votre chambre. La communication vient d'arriver. Oh, merveilleux. Est-ce qu'il y a un endroit là-haut où je puisse la prendre? Oh, oui, bien sûr, oui, dans le bureau. Parfait, parfait. Ben, allons dans le bureau. Ne gaspillons pas l'électricité. D'accord, alors c'est entendu, parfait. J'ai donc toute autorité pour signer les contrats. D'accord, eh bien c'est parfait. Oui, elles représentaient chacune 5 millions. Nous en discuterons jeudi à 8 heures. Très bien, au revoir. Mathieu, c'est réglé. Alors allons fêter ce marché, les contrats sont rédigés. Allons-y. Brett, c'est vous? Où est Sinclair? Où est-il? Et attention, pas un mot, pas un geste où j'ai pas votre ami, vous entendez? En voiture, je crains que Danny ne puisse retenir Crane et Kessler plus... Que se passe-t-il? Vous avez quelque chose dans l'œil? Laissez-moi regarder. Je dois avoir un mouchoir propre. Tiens, tiens. Eh bien, je trouve que c'est la soirée idéale pour se promener. Vous faites une affaire, vous savez. Ces deux compagnies valent plus de 10 millions. Alors pourquoi les laissez-vous à ce prix-là? Il me faut du liquide immédiatement. Je suis bien obligé d'être sans arrêt à l'affût si je tiens à maintenir mon empire, à la vôtre. Que tout le monde ait toujours ce qu'il mérite, à la vôtre. Entrez là. Le reste de la voiture pour nous en aller d'ici. J'ai déjà le carburateur. Oh, j'ai des plans pour ces 10 millions en question. Oui, une autre affaire. Frapper vite et fort, puis me retirer. C'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour nous deux. Que voulez-vous dire? La petite comédie est terminée. De quoi parlez-vous?
Je crois que M. Wilde sait tout. C'est tout quoi? Que Kessler est mort et que vous jouez son rôle. Oh, mais alors, qui êtes-vous donc? Morgan Alcott, c'était un comédien sans talent. Oh, ben, je l'ai trouvé très bien, moi. Mais il avait un seul remarquable talent. Oui, il avait une ressemblance étonnante avec Feu, votre mari. Et qu'est-ce qui l'a tué, au fait? Vos caresses? Il est mort, naturellement, alors qu'il dormait. Vous devez imaginer l'affolement qui a suivi. Oh oui. Ensuite, il a fallu gagner du temps pour avoir... Et oui, du temps, bien sûr. Il vous fallait du temps pour effectuer tous vos transferts, toutes ces actions à diverses autres compagnies que vous contrôlez. Vous comprenez ça? Oui, bien entendu. Je suis un homme d'affaires, moi aussi. Peut-être bien que nous pourrions essayer de trouver... Ne soyez pas ridicule. Ça ne fera aucun mal de préciser la situation. Oh non. Dites-nous exactement combien vous voulez pour vos terres. Quel est le montant du cachet de l'acteur? $1 million et une nouvelle identité. Oh, bravo. Mais c'est un très beau contrat, si on considère la courte durée de l'engagement. Quoi? Ah, vous ne lui avez pas dit que ce serait très court? Oh, mais essayez une seconde de comprendre que, à la fin, vous serez éliminé. À un certain moment, ils devront prouver que Kessler est mort. Ça suffit maintenant, M. Wilde. Laissez-le parler. Eh bien, vous semblez oublier que le reste du monde croit que Kessler est toujours vivant. Or, j'ai regardé les livres de compte, et aucune de ces transactions ne s'effectuera si, en temps voulu, vous n'apportez pas le cadavre de votre mari. Je vous ai dit, ça suffit. Et c'est bien ça. Ils auront besoin d'un cadavre qui ressemble à Kessler, d'accord? Et vous en êtes le sosie. Alors, je crois que vous aurez de grandes funérailles. Oh. Alors, fainéant, ça y est, tu as fini ton petit somme? Oh. Écoute, si tu veux un conseil, appelle le garçon d'étage et demande-lui qu'il t'apporte une tasse de thé. Oh, écoute, aide-moi d'abord à me lever. Oh, ma tête. Oh, ce Ravel. Si jamais je le retrouve, je... Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, nous trois, on pourrait jouer au bridge. Oui, mais nous ne sommes que deux. Tu oublies Péco? Oh, elle est là, cher Péco. Comment allez-vous? Toujours très poli, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, regardez ça. Non, mais regardez ça, c'est plein de chiffons, de vieux bouts de drap et d'essence. Oh, il y a de l'essence en quantité. De quoi faire sauter un char d'assaut. Tiens, on peut tu même fabriquer un... Tu dois penser à un cocktail Molotov, sans doute. Exact. Et la bouteille? Eh bien, on prend ça. Et il suffit alors de mettre quelques chiffons dedans. Et tout ça va nager dans l'essence avec une longue mèche qu'il ne restera plus qu'à allumer. Et nous finirons en fumée. Voilà, exactement. Vous voyez, Péco, il ne fallait pas vous inquiéter. Daniel a toujours d'excellentes idées. Mais regarde la porte, elle est en bois. Tout en bois. Eh bien, si tu espères sortir en brûlant la porte, il est inutile de te fatiguer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, attendez, j'ai amorcé une bombe dans le salon. Dites-moi jusqu'où vous irez. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et espérer qu'ils vont s'évanouir. Peut-être bien que Wilde a raison. Comment allez-vous prouver la mort de Kessler? Il faudra montrer sa dépouille. Comment vous expliquer qu'il n'y a aucune raison de vous abattre? Comptiez-vous me tuer, oui ou non? Non, bien sûr que non. Nous avons confiance en vous. Ayez confiance en nous. Si vous ne me croyez pas, prenez la voiture et partez. Si vous doutez de nous, vous n'avez qu'à filer immédiatement. Et laissez le $1 million. C'est un truc. Sûrement un de vos tours. Alors, monsieur, il est très tard, il faut aller nous reposer. Qui parie avec moi? Je ne joue pas avec les pyromanes. Bah, tu fais bien. Ça a l'air de prendre. Oh, je suis déshonoré. Quelle honte. Mais remets-toi, Daniel, tu... Quoi? Tu nous auras fait rire. Oh, bah, bien sûr, c'est moi qui fais tout. Hein. Oh, j'ai réussi. Mais par là, vite! Magnifique, magnifique, Daniel. Merci. Tu as travaillé ton crochet. Oui, allez, monte vite. Voilà les clés.
pauvre Morgan Alcott. Un acteur moyen, mais très influençable. Oui. Eh bien, ça va éliminer tous ces curieux qui étaient embarrassants. Sans oublier un mari qui devenait inutile pour nous. Les portes ont toutes été coincées. C'est fait, oui. Ils sont enfermés dans la voiture. Bien. Et assurez-vous du résultat. Et tu as ton permis de conduire? Oh, oh, devine donc la dernière. Eh, c'est très facile. On a trafiqué les freins. Bravo. Doucement, doucement. Mais n'aie donc pas peur. C'était un dérapage contrôlé. Et celui-là? Ouais. Et quand j'étais gosse, j'adorais les montagnes russes. Je suppose que... Oh oui. Quoi? Le... Oh. Sortons vite. Et ils ont bien arrangé leur coup, on dirait. Regardez. Gauche d'abord. Ah, bravo. Vous avez sûrement soif. Allez, ça ne fait pas de merci mal. Merci, Daniel. Non, moi, j'ai pas le temps parce que je vais... Ah, vous avez oublié de reprendre vos passeports. Oh, je vous remercie. Oh, bah, écoutez, il n'y a pas de quoi, c'est naturel. Ah, oh, mais donnez-les à son Altesse. Oui, oui. Ta Majesté, il y a un de tes admirateurs qui est là. Lord Sinclair, non, si je peux faire quelque chose... Savez-vous danser? Danser? Oui, oh, ça n'a pas d'importance.